You are blessed. You are so blessed. Yeah. Tu sortais bien. Ouais, toi aussi. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est vraiment bien. On est noir. Non, c'est. On est noir comme mon frère. Maintenant, oui. Maintenant, c'est passé, la caméra était. C'est que la caméra fait un balayage. Tu vois. Tu peux une fois. Bien, mon frère. Trop beau. Il est très beau. Oh, l'âme de Maman Prince. Ça, c'est, oui, ça, c'est le galon bobé de Maman Prince. Maman Prince. Tu te dis bonjour. Ah là là, bonjour à qui? Maman Prince, Emmanuel. C'est comment, maman, non? Ton petit. Ah, ma chérie, Maman Prince. Voilà! Voilà! Dieu merci pour toi. Voilà! Dieu merci pour toi. Il a à qui dit bonjour. Mm-hmm. Nous saluons les frères et les sœurs. Les sœurs dans le Seigneur. Dans le Seigneur, nous vous aimons. Mm-hmm. Nous sommes là. Et bien, nous saluons aussi Maman Praise. Oui. Nous saluons Maman Praise. J'espère que notre maman internationale. Oh yes. Alléluia. 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 Extraordinaire Maman Praise. C'est. Maman Praise. Une femme exceptionnelle. Oui, exceptionnelle. Avec le bébé là. Une femme exceptionnellement exceptionnelle. Oui. Nous l'honorons. Avec bébé Prince. Nous l'aimons. Nous l'honorons et nous l'aimons. Amen. Je suis abeillardé en écoutant cela. Mm. Vive Maman Prince. Que vous honorez. Vive Maman Prince. Lui de mon cœur. Oui. Ah, que nous honorons, répète un peu, somme de Dieu. On n'a pas bien suivi. Vive Maman Prince. Je suis honoré. Oui. Du fait que. Des mastodontes de la foi qu'on vous mondiale. Oui. Au nom de l'élu de mon cœur. Ma Vénice de Milo. Ma Vénice de Milo. C'est dangereux ça. Mon Himalaya de la beauté. Ton Himalaya de la beauté. Celle qui a des nez comme un proton. Celle qui a des yeux comme des nez comme des neutrons. Qui ne sont pas bien. Non, ça va. D'accord. Oui. Donc, celle qui est mon mipre, celle qui a un nez comme des neutrons. Mm-hmm. Oui. Celle qui a des yeux comme. Elle a un nez comme des neutrons. Oui. Oui. Une bouche comme des électrons libres. C'est-à-dire, sa bouche est comme des électrons libres. Et les protons sont à quel moment? Oui. Qu'est-ce qui est comme les protons? Électrons, protons, ça c'est la physique. Sa bouche comme des protons. Hein. Donc, oui. Non, ses yeux comme des protons, je voulais dire. Oui. Oui. Parce qu'en fait, ce sont ces yeux-là qui m'ont. Qui t'ont. My God, my God. Qui t'ont protonisé. Aïe! Dans les fiançailles, oui. Je lui demandais toujours qu'est-ce que tu aimes sur moi. Et puis, oui. Elle me demandait qu'est-ce que toi tu aimes sur moi. Oui. Donc, je lui disais tout que moi j'aime beaucoup tes yeux. Les yeux. Protoniques. Tes yeux protoniques. Me font dormir. Oui. Mmh. Hein? Qu'est-ce que ces yeux te font dormir? Dormir d'amour. Oh! Tu vas nous transporter dans quelque chose. Je ne te connaissais pas pour être comme ça. C'est dangereux, ça. Moi, je me demandais aussi, qu'est-ce que toi tu aimes sur moi? Qu'est-ce qu'elle me disait souvent là? Oui. Elle me disait qu'elle est ma barbe. À l'époque, j'avais une petite barbe jaune là. J'aime ta barbe. Je comprends là, pourquoi cette barbe. On la touche jamais. Merci de nous livrer les secrets. Les secrets barbiques. Non, parfois, j'ai voulu enlever la barbe. Je dis non, tu es bien avec la barbe. Tu as l'air seulement bien. J'aime ta barbe. Waouh! Non, c'est... Maman Prince, cette barbe sera préservée. Amen. Oui. Elle est intouchable. Elle est intouchable. Voilà, bien aimé, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans la ville de Douala. Oh yes. Nous sommes déjà à Douala. Et nous vous faisons ce direct à partir de la ville de Douala. Ce soir, ça sera redoutable. Oui. Je suis avec mes frères, le docteur Enoka Narcisse, avec le. Prophète Arsène Kamto, ça fait des années, plus de 4 ans que tu n'es pas venu. Tu es venu à Douala. Tu avais enseigné. C'était en 2016-17 comme ça. Ouh, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 22, 23, 24. 8 ans. 2017-18 comme ça. Oui. Voilà. Ça fait plus de 5 ans. Voilà, plus de 5 ans que le prophète Kamto n'est plus venu nous rendre visite ici. Du côté de Douala, en Dogbon, derrière l'immeuble Kamler. Donc, il est là et il sera avec nous ce soir, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous voulons tout simplement dire à la population de Douala de ne pas manquer ça. Comment ce soir,
aux côtés de Ndogbon, l'immeuble Kamley. Tout à fait. Derrière l'immeuble Kamley à Douala, à Ndogbon. Oui. Nous vous invitons massivement. Toute la ville de Douala est invitée. Où que vous soyez, oui. Ne restez pas à la maison. Alléluia. Il y a trois manteaux, il y a trois alliances, il y a trois grâces différentes. Il y a trois bouches, pour trois jours, trois bouches pointes, trois bouches autorisées pour rendre ministère aux familles de la ville de Douala et ses environs. Alléluia. Si vous êtes à Kribi, vous êtes à Edea, vous êtes à Limbe, vous êtes à Boya, partout là-bas, ou en Banga, etc. S'il vous plaît, amen. Ne manquez pas. Le diable est en danger. Amen. Les sorciers sont en danger. Amen. Les ennemis de ta vie sont en danger. Amen. Cette situation qui t'a embrigadé est en danger. Amen. Je vais donner la parole au prophète Kamto, qui certainement a quelque chose à dire aux populations du littoral. Simplement à toute la population du littoral et même du Cameroun dans son entier. Oui. Parce qu'avoir des alliances comme ça qui se mettent ensemble, le temps d'un programme, c'est difficile. Donc je m'adresse à tout Yaou, tout Douala, tout le littoral, tout le Cameroun. Et si vous êtes dans n'importe quel coin, faites le déplacement. Mm-hmm. Il faut dire que récemment, pendant l'ouverture de l'Ifidi, on a des gens venus de la France. Oui, de la France. De la Belgique, venus de tous les coins du monde. Oui. Juste pour l'inauguration. Parce qu'ils reconnaissent les grâces. Oui. Et ces personnes ne sont pas rentrées comme elles sont venues. Non, non. Parce que vous ne pouvez pas faire un tel sacrifice sans que Dieu honore votre sacrifice. Oh, donc, je voulais parler à tous ceux qui nous regardent dans le Cameroun et même dans le monde de faire le déplacement de ce programme. Vous avez encore le temps de le faire. Faites-le. Ne vous laissez pas raconter cet événement unique en son genre. Je pense que c'est la première fois qu'on se retrouve à Douala. La plupart du temps, Yaoundé a bénéficié de cette grâce-là. Et beaucoup ont demandé notre venue à Douala. L'homme de Dieu, le prophète Ferdinand Ekane, qui chapeaute cet événement, a jugé bon de faire ce sacrifice pour que nous venions à Douala, pour bénir toute la population de Douala, pour bénir les populations du Cameroun, pour bénir les populations du monde entier. Amen. Donc, ne vous laissez pas raconter, ce sera explosif. Le thème, c'est tsunami prophétique. Tsunami prophétique. Oh, karagadaya. Trois jours de révélation prophétique. Que chacun puisse se préparer à quelque chose comme vous n'avez jamais vu. À rencontrer Dieu dans les sphères supérieures, des sphères inexplorées, des grâces inconnues, dans des territoires prophétiques inconnus. Donc, le conseil que je vais donner avant de donner la parole au docteur, parce qu'on va parler un peu du ministère des prophètes. Mes amis, priez toujours à la maison avant de venir à un rassemblement des saints comme celui que nous sommes en train d'organiser. Priez Dieu de révéler votre cas à ses serviteurs. Surtout que c'est un tsunami prophétique. C'est un moment de révélation, un moment d'enseignement, un moment de louange, un moment d'adoration, un moment prophétique. Oui. Un moment redoutablement prophétique. Hey. Et lorsque vous vous préparez à la maison, dites à Dieu, Seigneur, comme je vais, révèle mon cas à tes serviteurs. Quand vous viendrez, certainement, le Saint-Esprit révélera votre cas. Qui est à l'origine de vos chutes? Qui est à l'origine de votre mort? Qui est à l'origine de vos blocages? Qui est à l'origine de votre échec? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et qui cause ce qui ne marche pas dans votre vie? Bien-aimé, il faut comprendre que la réponse, le Seigneur Jésus-Christ vous la donne ce soir. Amen. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ne manquez pas ce soir. Je donne la parole au docteur Enoch Anassi, certainement, qui va aussi parler à part du Seigneur. Je vous salue encore une fois de plus au nom de Jésus. Amen. C'est toujours un honneur et un privilège d'être aux côtés de ces sommités. Et que Dieu vous bénisse. Amen. C'est une grâce. Merci, mon docteur. Même si nous sommes des instruments utilisés par Dieu pour le peuple, mais il faut reconnaître qu'entre nous, vous êtes des instruments de bénédiction. Nous sommes des instruments de bénédiction les uns pour les autres. Amen. Je suis encore honoré d'être parmi vous ce matin. Et je voudrais vous dire, ce n'est pas simplement un programme, c'est un rendez-vous divin. C'est un point de départ pour la destinée de quelqu'un. C'est une réorientation, une reprogrammation sur l'orbite de votre destinée prophétique. Ne manquez pas à cet événement-là, ne manquez du tout pas. Quand dans le livre de Juges, il est dit que le peuple criait à Dieu et Dieu leur envoya un homme. Toutes les fois où Dieu envoie des hommes, c'est que c'est déjà le début de la réponse
à un problème, à une situation, qu'elle soit familiale, étatique, qu'elle soit gouvernementale, mais il y a ici une grâce qui va être libérée pour votre libération, pour votre changement, pour apporter ce qui n'avait pas été. J'insiste encore pour dire, il est encore temps de prendre la route et de vous diriger vers Douala. Amen. Que vous soyez à Yaoundé, que vous soyez en Consamba, que vous soyez je ne sais pas où, ces trois jours de force, ne vous faites pas raconter, ne manquez pas ça. Si vous pouvez vous déplacer, déplacez-vous. Il y a une chose, c'est d'être dans la même salle que les personnes que Dieu a choisies pour cet événement-là. Et nous allons opérer sur une terre et sous une grâce où Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. La terre de Réma, sous l'ombrage et la grâce de l'alliance que son serviteur, le grand prophète, et qu'en effet, n'importe, nous sommes tellement certains. Nous avons vu Dieu agir hier. Nous avons vu sa fidélité être au rendez-vous les jours d'avant. Amen. Nous ne discutons pas que ce soir, à partir de tout de suite là, il sera au rendez-vous. Amen. Et pendant que vous venez, venez bien. Préparez-vous. Venez disposez-vous. Venez bien. Venez bien. Venez et vous bien. Serez bien reçu. Et vous serez bien reçu. Venez en venant. Venez en venant. En venant. Alors, bien-aimé, écoutez, s'il vous plaît, tous ceux qui ont des cas spirituels compliqués, on va prendre du temps pour vous. Ceux qui ont des cas de maladie, que ce soit des maladies physiques ou des maladies spirituelles, des MST, des maladies spirituellement transmissibles, nous allons prendre soin de vous. Quel que soit votre problème, quel que soit le fardeau que vous portez, nous allons intercéder. Nous sommes trois hommes de Dieu. Nous avons trois alliances. Nous avons trois onctions. Et tout ça pour toi seul. Donc, nous t'encourageons à ne manquer sous aucun prétexte à cette rencontre. Et en plus, il faut quitter tôt pour avoir une bonne place. Parce que les gens viendront de partout pour recevoir la grâce de Dieu. Moi, je pense que la Bible dit que lorsque le prophète Samuel arrivait dans une ville, tout le monde était mobilisé pour le recevoir. Et nous voulons vous encourager à vous mobiliser pour recevoir ces hommes de Dieu qui viennent pour vous. Et le Seigneur Jésus a dit, lorsque vous entrez dans une maison et qu'elle vous reçoive, dites-lui shalom et votre paix demeurera dans cette maison et sur ses habitants. Amen. Donc s'il te plaît, viens recevoir la paix de ta vie. Viens recevoir la paix pour ta maison. Viens recevoir la paix pour ton foyer. La paix pour tes affaires. La paix pour ta carrière. La paix pour tes études. La paix pour ton présent. La paix pour ton futur. Donc bien aimé, c'est une occasion en or. Quel que soit ton problème, Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Mais seulement, il faut s'approcher de lui avec la foi. Comme l'Écriture dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il va nous récompenser. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Vous m'appellerez et je répondrai, me voici, si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc cherche Dieu de tout ton cœur. Le monde n'a pas aidé ceux qui nous ont précédés. La vie mondaine, la vie sans Dieu n'est que l'aggravation de nos problèmes. Mais Jésus-Christ est la solution à nos problèmes. La Bible dira clairement dans Jean verset 17, il dit « Kai onomos, diamantios et dote, kai karis, kai te aleite hia, dia Jesu Christo et geneto. » Il dit « La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité nous ont été données par Jésus-Christ. » Donc bien-aimé, viens profiter de la grâce et viens profiter de la vérité. Prophète, qu'est-ce que tu dis à cette personne, à cet homme désespéré, désemparé, houspillé, saboulé par les événements de la vie et qui est en train de nous écouter ce matin et qui est dans un état de tergiversation, de doute et d'acatalepsie? Que ce n'est pas encore fini. Justement, la plupart du temps, lorsque Dieu voudrait sortir un homme de sa vallée, de son cachot de désespoir, il envoie toujours un homme. Dieu n'a jamais rien fait sur la terre sans passer par des hommes. Et des programmes comme ceux-ci sont généralement faits, organisés, parce que Dieu a vu le besoin de son peuple. Et il se pourrait que vous, dans cette situation compliquée, complexe, que Dieu ait décidé dans son conseil, selon son bon vouloir, de vous délivrer au travers de cet autre programme. J'ai réalisé, homme de Dieu, docteur de nos cas, le prophète Ferdinand Kane, que
la plupart du temps, la délivrance de Dieu vient de façon vient de façon à ne pas attirer les regards. Oui. Parfois, c'est quand vous attendez le moment. De façon furtive. Oui, voilà. Que Dieu se manifeste pleinement. Oui. Il se pourrait que vous avez assisté à d'autres programmes et que cette fois-ci, Dieu a décidé de vous visiter. Oui. Ne manquez pas de venir cette fois-ci. Je pense que l'autre jour, on était en programme et quelqu'un a dit, voilà, un jeune homme a été visité puissamment par le Seigneur. Oui. Il dit qu'il ne voulait même pas venir au programme ce jour-là. Parce qu'il a allé dans beaucoup de programmes, beaucoup d'églises. Mais ce jour, c'était le jour de sa visitation. Oui. Il est venu à pied. Oui. Il n'avait pas genre taxi. Donc, pour dire à quelqu'un qui pense qu'elle a épuisé ses, une personne qui pense qu'elle a épuisé ses cartes, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ce programme sera ton programme. Fais un effort. Ne manque sous aucun prétexte. Amen. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Non. Ce programme, je suis en train de voir le Seigneur te transporter de la vallée du désespoir pour une montagne de la vision et de la foi. Amen. Ne manque sous aucun prétexte. Le temps est venu où Dieu veut essuyer tes larmes. Oui. Essuyer les larmes des familles en détresse, des familles abandonnées, des femmes seules, des orphelins, des personnes dont la vie semble être finie. Dieu, dans cette saison, va essuyer tes larmes. Vous savez, nous venons tous des années très difficiles. On était hier chez la maman du grand prophète Ferdinand qui nous racontait comment le passé a été compliqué, difficile et comment Dieu a été fidèle à leur égard. Amen. Et nous sommes conscients du fait qu'il y a des multitudes de familles comme celle-là qui aujourd'hui souffrent, mais dont la destinée prophétique est liée à la présence à un programme comme celui-ci. Nous étions comme ça hier. Dieu a suscité d'autres personnes qui, par leur voix, nous ont sorti des cachots de désespoir. Oui. Ne courez pas le risque de rester dans, de rater à ce programme et par ricochet de demeurer dans des cachots de désespoir. Pour dire que on vous attend ce soir, nombreux. Venez avec femme, venez avec les enfants, venez avec vos projets, venez avec vos passeports, venez avec vos dossiers, venez avec vos maladies, venez avec dans la présence du Seigneur. Venez à Dieu tel que vous êtes. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que nous n'avons pas. Nous n'avons rien en fait. Nous sommes que des serviteurs de Dieu, des vermisseaux. Oui. Nous sommes des serviteurs inutiles. Inutiles. Nous nous sommes présentés à Dieu tel que nous sommes. Oui. Nous avons sacrifié nos jeunesses. Oui. Tous ici. Oui. On n'a pas connu la jeunesse que d'autres personnes ont connue. Ou bien que d'autres personnes connaissent. C'est-à-dire aller dans les boîtes, aller en gauche, à droite. Dieu nous a sacrifiés. En fait, nous avons mis nos vies sur l'autel de Dieu depuis notre prime enfance pour un temps comme celui-ci. Donc ne courez pas le risque de rater cette grâce. Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas, homme de Dieu, que nous avons mis nos vies sur l'autel de Dieu. Ouais. Moi, je dis souvent, j'ai donné ma vie au Seigneur et je n'ai jamais retrogradé. Comme les gens font aujourd'hui. Ils viennent. Nous, c'est comme ça. Ouais. Donc, nous sommes des sacrifiés. L'autre jour, on parlait, on disait, nous, on ne connaît pas les distractions du monde. On n'a pas connu toutes ces choses. Oui. Jusqu'aujourd'hui. Les plaisirs du monde. Les seules choses, les seuls moments où on rit, c'est quand on se retrouve comme ça. On bavarde un peu, ainsi de suite. Parce que nos vies sont sacrifiées pour d'autres personnes. Oui. Donc, pour dire que ne ratez pas ce programme, ne manquez pas dès ce soir, dès ce premier soir, demain soir et jeudi soir. Donc, c'est mardi, mercredi, jeudi. Donc, ne manquez aucun des soirs. Amen. Chaque soir aura une grâce spéciale. Amen. Chaque soir aura une couleur spéciale. Ne manquez aucun soir. Déterminez-vous à être là dès ce soir. Yeah. Demain soir, jeudi soir, oui. Votre vie, votre histoire va être réécrite. Amen. Je voudrais insister sur quelque chose de... Vous avez peut-être été béni hier, ou bien vous avez été dans un programme où nous étions avant, et vous n'avez pas reçu ce que vous vouliez. Mais sachez qu'aujourd'hui, c'est différent. Amen. Aujourd'hui, c'est une autre opportunité. C'est une autre occasion que Dieu vous donne. Je me souviens, nous étions à Bertois une fois, et il y a quelqu'un qui est parti de Rema Yaoundé. Et la dame disait qu'elle est à Rema Yaoundé depuis longtemps, mais elle n'a pas été visitée. Et elle suit l'homme de Dieu de ville en ville. Peut-être vous êtes à Yaoundé. Peut-être vous étiez au dernier programme de Yaoundé. Venez encore aujourd'hui. C'est le même Dieu, mais qui agit de manière différente. Il dit, c'est le même Dieu, mais différentes sortes d'opérations. Nous allons vivre ces opérations différentes à partir de tout à l'heure. Amen. Soyez juste au rendez-vous. Amen. Alors, bien aimé, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous passons l'annonce ce soir à partir de 17h. Nous sommes en Dogbon, derrière l'immeuble Camelet. Quand vous êtes en Dogbon, derrière l'immeuble Camelet, vous dites Rema. La CBC, Rema Ministry Mission, tout simplement, et on vous amènera là-bas. Vous savez, c'est... Tout le monde connaît l'église à cause
des choses grandioses, mirifiques, mirobolantes, merveilleuses que l'Esprit de Dieu opère au milieu de son peuple. Donc ne laisse pas qu'on te raconte ce qui va se passer ce soir. Mets-le dans ton agenda ce soir et puis mercredi, on est aujourd'hui mardi, mercredi, jeudi, tous les soirs à 17h. Soyons très nombreux, rassemblons-nous comme un seul homme pour donner la honte à Satan. Amen. Toute guerre de Satan contre ta vie, il la perdra. Amen. Tout hôtel satanique qui crie contre ta vie, Jesus, on va l'éteindre par la puissance du Seigneur Jésus. Amen. La Bible dit clairement, Satan, que le Seigneur te réprime, Amen. Satan sera réprimé dans ta vie et dans ta famille. Amen. Comme tu viens, que le Seigneur te bénisse, partage la vidéo au maximum et à se voir tout à l'heure. Shalom, shalom, shalom. Shalom.